Michel Catalano. Au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. On voit bien que le terrorisme, il est partout et que nous devons lutter avec la force lorsque c'est nécessaire. Je parle de la force armée, lutter aussi avec l'esprit, avec les idées, avec la culture, avec les arts, pour bien montrer ce qu'est le genre humain et qu'il doit repousser la haine et l'intolérance. Voilà tous les messages que vous envoyez ici de cette imprimerie. Le hasard et la folie de deux hommes ont fait que le 9 janvier 2015, je suis passé de l'anonymat à la une des journaux. Du statut de chef d'entreprise à celui de victime du terrorisme. Je n'ai pas souhaité me retrouver sous les feux de l'actualité. Je n'ai pas voulu devenir un héros. Mais lorsque la vie bascule, il faut faire face et rester debout.